fait du triomphalisme. Je suis de Bouteto. Je voudrais appeler à la sagesse de tout le monde pour que ce soit des élus de RPG, des élus de tous bords, pour qu'ensemble on se donne la main pour développer la commune. J'appelle aussi les uns et les autres, les jeunes, la sécurité, les femmes, les militants de tous bords, à la sécurité, à la paix. Nous ne sommes pas obligés de vivre ensemble. On n'a pas besoin de se couper le nez. Le vote a été fait devant toute la presse. Ça a été compté une fois, ça a été compté deux fois. Dès qu'on a dit 23 voix pour Kalimondo Yassané, j'avais le numéro rouge, c'était visible pour tout le monde, par tout le monde plutôt. Et donc, il y a un monsieur, comme je vous l'ai dit, qui est sorti. Il était. Malheureusement, il était avec à côté du secrétariat. Son nom. Son nom, c'est un Keita. Balamoussa Keita. Balamoussa Keita. Il s'appelle Balamoussa Keita, qui a protesté la première fois. On l'a sorti. Il est revenu. On a rencontré. Et il est venu déchirer les bulletins de mon collègue Tors. Voilà ce qui s'est passé. Donc, j'invite également la presse à sensibiliser les gens. Nous attendons qu'on nous convoque pour l'installation de cette vice-maire. Aratoma, sans embâche, sans problème aucun, la mairie a été donc installée, monsieur le maire, il est de l'UFDG. À Matoto, cependant, pendant que le cours normal de l'élection était observé, une irruption incontrôlée de citoyens s'est faite dans la salle de l'élection, de délibération. Pendant que le dépouillement n'était pas terminé, ils se sont mis à déchirer, n'est-ce pas, les bulletins, et pire, à détruire l'urne. Les forces de sécurité présentes, prises au dépourvu, et ne pouvant pas intervenir de façon musclée, ce n'est pas là leur rôle, eh bien, on n'a pu que constater le dégât.